Bonjour YouTube, c'est encore moi Blackpool avec Ovid Durantet qui est avec sa gang de bras cassés dans Saint-Denis présentement. Je vous montre le spot, tout le monde le connaît probablement déjà, mais le spot pour farmer du... Bon, c'est sûr que Chris Barnac, moi je me fiais sur l'autre hostie, je peux même pas commencer une vidéo YouTube, tabarnak, X-Vitek, t'es en train de faire quoi? C'est une gang de bras cassés les gens. Alors, on va recommencer, mais oui, le spot où on peut farmer du XP assez facilement, vous voyez un peu le truc en gros, c'est que les policiers vont toujours monter l'échelle qui est devant moi. Je vous montre c'est où sur la map. Fait que ouais, je perdrai pas 10 minutes là-dessus, cette vidéo-là les gens, c'est pas compliqué, vous allez à un endroit précis dans Saint-Denis qui marche très bien, il y en a d'autres sur la map qu'on connaît, vous pouvez en trouver d'autres si vous voulez, je vais essayer de vous en montrer si je passe par là. Vous mettez là, les ennemis vont toujours monter l'échelle qui est là. Vous êtes peinard, vous les tuez, évidemment, vous essayez de pas avoir des bras cassés au point où est-ce qu'ils sont même pas capables. Hey Lexus, va réanimer Blackpool, il est pas loin. Oh, j'essaie d'enregistrer la vidéo. Puis il me laisse mourir en plus. Hello darkness, my old friend. Ok, prise 2 YouTube, là, mon groupe de bras cassés devrait me soutenir derrière, là, ça devrait bien aller, Ovid, il s'est bras cassé. Donc, vous commencez dans Saint-Denis, standard, eux sont déjà en train de farmer, c'est le truc pour farmer du XP. Vous voyez où ils se trouvent présentement, c'est là où ça se passe, dans l'espèce de petite alcôve, tiens, le mot de la journée, alcôve. Vous allez là, vous arrangez pour être recherché, dans le fond, et vous allez pouvoir ensuite avoir des ennemis policiers qui vont venir vers vous constamment. Alors le truc, c'est bien sûr de toujours avoir un fusil bien chargé. Des balles en quantité maximale pour toutes vos guns, pour pouvoir en tuer le plus possible, pour pouvoir rester là longtemps. Si vous voulez, le truc le plus facile pour avoir, je vous dirais, un avis de recherche sur vous. Ici, il y a souvent un policier. Bon, là, il n'est pas ici probablement parce que les gars avec qui je suis l'ont tué, mais voyez-vous, ils en ont généré d'autres. Donc hein, vous en tuez un, comme ça, gentiment. Boum! On va se cacher dans l'alcôve. Les gars sont déjà là, il va y avoir plein de policiers, ça va être le bordel. Bon, fait que là j'ai bien du monde avec moi, on a Adoptonoob qui était aussi. Je l'ai pas encore ajouté au groupe, mais il est avec nous. On a Macaronius, on a X-Vitek qui s'appelle Luxus ici en ligne. Fait que vous voyez, on s'installe les gens. On se fait un policier chacun notre tour. Bon, les autres sont un peu excités, sont un peu pressés, sont comme ça, t'sais. Mais si tu t'installes gentiment ici, même si t'es seul, t'es peinard, les policiers vont monter un par un la petite échelle qui est devant toi. Tu la headshot, bing bang pouf, il va toujours en arriver constamment comme ça. À plusieurs, idéalement, ce qui serait bien, ce serait que genre Adoptonoob ou un autre d'entre nous reste neutre, ne soit pas recherché. Et à ce moment-là, il peut looter les corps des policiers qui sont en bas. Le truc pour maximiser le XP que vous allez faire quand vous allez dans ce coin-là, c'est pas compliqué. Mais non! Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais? Il est avec nous! Mais il est avec nous! Ah, bordel! X-Vitek! Se faire, les boys! Bref, vous voyez les policiers qui montent ici l'échelle, comme je disais. Mais le truc, pour avoir un max XP, un, c'est d'avoir un groupe qui sont pas juste des crises de bras cassés, hein, comme X-Vitek, présentement. Et deux, enchaîner les badges, les accomplishments. Donc, exemple, tuer 10 personnes avec un revolver, tuer 50 personnes avec un revolver. Même chose avec le pompeux, le 12. Même chose avec une carabine. Même chose avec l'arc et les flèches. Donc, avec différents types de fusils, de carabines, de guns, vous allez débloquer des badges différentes. L'autre badge aussi qui est vraiment facile à débloquer, c'est celle d'être justement en mode recherché assez longtemps. Donc si je vous la montre, on s'en va dans récompense. Crime, je suis sûr que je vais mourir avant de revenir ce soir sur ça. Celle-là ici. Donc minute survécue en mode recherché. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 2 heures. Une fois que vous avez reçu la boucle pour ça, n'oubliez pas de venir réinitialiser la récompense. Si vous recomplétez la boucle de 2 heures, vous allez vous faire du gold. Donc des lingots d'or. Voilà. Il y a d'autres endroits sur la map que vous allez pouvoir un peu, disons-le, glitch abuse comme ça avec des PNJ un peu naïfs qui reviennent constamment. N'hésitez pas. Écrivez-le dans les commentaires YouTube si vous voulez, partager vos shit. Si vous aimez la vidéo, pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne puis on vient nous voir sur Twitch, twitch.tv/Blackpool, Blackpool22 sur Xbox si vous voulez vous joindre à nous. On a un Discord aussi, bref, join the party, gros. Un petit dernier pour la route, boum!